Amis de TV Wallonie, bonjour et bienvenue à Liège, au Parc d'Avrois, où aujourd'hui se déroulent les journées du patrimoine, principalement, spécialement, les amis du patrimoine automoto. Plus de 250 véhicules ancêtres, véhicules donc de plus de 25 ans d'âge, toutes marques confondues, sont venus fêter ces journées du patrimoine à Liège. Un rendez-vous exceptionnel qui a lieu chaque année et que nous vous invitons à partager en notre compagnie parce que tout simplement, TV Wallonie y était pour vous. J'ai le plaisir de me trouver en compagnie de Madame Nathalie Blondiot, présidente du Moto Rétro de Fémal, qui nous fait l'amitié d'être présente ici même au Parc d'Avrois, à l'occasion de la journée du patrimoine, des amis du patrimoine automoto. Alors je vais vous demander d'avoir la gentillesse de nous parler d'un événement qui vous tient à cœur et qui se prépare pour très prochainement. Bien sûr, nous organisons le 7 octobre prochain une bourse moto ancêtre, donc avant les années 85, sur le plateau des Trix à Flémel, à l'école L'Envol. Non seulement une bourse, mais également une exposition et je pense aussi une première en Wallonie. Bien sûr, il y aura une exposition de toutes les catégories de moto et l'innovation, ce sera le premier concours d'élégance de la moto ancêtre. Nous organisons une balade de 100 km, ce sera une balade à thème qui tournera autour de l'événement et les roadbooks seront à 5 €, donc leur entrée équivalent aussi pour le roadbook pour faire la balade. Donc, tout simplement, rendez-vous le 7 octobre à Flémal pour cette troisième bourse Moto Rétro de Flémal. Merci Madame Blondiot. Merci beaucoup. Je me trouve actuellement en compagnie de Monsieur Gérard Van de Zand, président de l'APAM, les Amis du Patrimoine Automoto. Alors Monsieur Van de Zand, en votre qualité de président, présentez-nous un peu cette association, l'APAM. Les Amis du Patrimoine Automoto est une association de plusieurs clubs de véhicules automobiles, dont on parle aussi des voitures utilitaires, militaires, tout ce qui roule. Chaque année, lors des journées du patrimoine, nous réalisons des expositions et des balades de véhicules sur ce parc d'Avrois, ici à Liège, et nous sommes à notre 9e édition. L'association est composée de plusieurs clubs, avec des fortunes diverses. Nous avons été 5, 6, et de plus en plus, certains véhicules nous rejoignent. La plupart de ces véhicules sont membres de notre fédération, la Fédération des véhicules ancêtres, et un des derniers clubs notamment qui nous a rejoints est le club NSU, qui se trouve ici derrière moi. Donc un grand succès cette édition 2012 Par rapport aux autres années, certainement. Évidemment, le temps y est pour quelque chose. Donc, merci Monsieur Van Donzan et rendez-vous en 2013.
vos impressions sur cette journée de la PAM. Cette manifestation était très importante pour nous, étant donné qu'on fêtait notre 20e anniversaire. Bon, je crois qu'on peut être très content de la journée, parce que non seulement pour toute l'organisation, mais aussi pour notre club, je pense qu'on peut qualifier ceci de réussite. Rien que nous, nous avons certainement près de 80 triomphes qui sont passés la journée sur notre espace.